Voices. Attends. Ah. Comment c'est possible? Ah mais merde, oui. Pardon, je suis désolée. Attendez. Bah c'est pas grave, on va enlever ça. On va enlever les voix, c'est pas grave parce qu'en fait... Oh merde. Mais oui, non mais c'est ZQSD. Et du coup, les voix sont mappées dessus. Oh, pour le replay, je suis désolée. Mais bon, si ça ajoute un côté comique, pourquoi pas, hein. Non, il faut que je les remappe, vraiment, faut que je refasse un remappage. Après, je peux tout aussi bien, voilà, changer ça. Et puis faire tout le stream avec une voix d'ogre comme ça aussi. Pourquoi pas? Ça peut être sympa, ça rentre dans le thème. Mais non. Ouais, ça c'est un souci, il faut que je les remappe, et ça sera mieux quand j'aurai un stream deck. Ça sera mieux quand j'aurai un stream deck. Et ça le fait toujours. Mais vu que j'ai pas activé le voice changer, du coup, voilà. Donc ce qu'on va faire, ça va être simple. Gestionnaire de tâches. Et puis on va enlever ça. C'est la deuxième fois que ça m'arrive. C'est la deuxième fois que ça m'arrive. Quel manque de professionnalisme. Maintenant, le micro était coupé. J'étais mute. Ah là, ça, cette partie-là, je la zapperai du replay, c'est pas grave. Hein. Elle sera effacée, elle sera nulle et non avenue. On fera comme si ça ne s'était jamais passé. Parce que oui, le problème, c'est que mon micro est mappé quand j'active voice mode. Bah forcément, il est sur voice mode. Mais par contre, dès que je coupe voice mode, si au niveau de la table de mixage, il n'est pas sélectionné, bah forcément, voilà, ça ne va pas marcher. Et nous sommes dans un temps brouillasseux. Au possible. Et moi, il y a un truc qui m'interpelle, c'est que je n'ai toujours pas trouvé... De charbon. Parce que j'en ai besoin pour mes machines. Et il faut aussi que je trouve un moyen de parler à l'astrologue. Ne pas confondre avec astronome, bien entendu. Ni vu ni connu, voilà, on efface l'ardoise, il ne s'est rien passé... ça reste entre nous. Hein, ce sera notre petit secret. Est-ce que je peux piquer des légumes là dans le potager ou pas? Est-ce que je peux faire la solution de facilité? Ah non, on peut pas. Ah, c'est... Oh, si. Je peux piquer les choux. Ah, ça fait comme dans Minecraft, on récolte le truc et ça vous donne des graines. Ah, j'ai mon inventaire qui est plein. Oh, non. Comment je peux me débarrasser de ça? Bon, au moins, j'ai des graines de choux. Je peux piquer les légumes des gens, mais c'est génial! C'est génial! Donc là, j'ai les 12 choux que le marchand me réclame. Ah, parce qu'au pire, je pourrais utiliser... Bah non, je peux pas utiliser les flèches. Ah, tant pis. Mais je pense savoir sur quoi je peux mapper mes voix. Les touches numériques du dessus, je les utilise pas. J'ai déjà la voix de l'ogre qui est mappée sur 1. Donc en vrai, je pourrais remapper les touches, en sachant que là, j'en ai 1, 2, 3, 5. J'en ai 5 que j'ai sélectionnées parmi toutes celles que j'avais mis parmi mes préférées pour savoir et tester un petit peu ce que ça donnait. Mais je suis contente que vous ayez quand même eu une démonstration, et c'est du coup une démonstration en exclusivité. Parce que dans le replay, ça n'apparaîtra pas. Non, ouais, faut que j'aille là. Pour ranger mes affaires, parce que ceux qui ont suivi le stream Halloween l'ont bien vu dans Portland Lights, hein, je range mes affaires sur le tard, on va dire. Voilà, on va mettre tout ce qui est outillage là-dedans, les pierres, les planches, les bâtons. Ça, c'est pour la cuisine. Livre fichu. Et ça, du coup, bah ça, est-ce que je peux pas... J'ai pas de poubelle, en vrai, je peux pas le cramer. Je peux pas m'en servir comme combustible, là, pour la cheminée? Ah oui, c'est vrai, je peux faire du verre. Eh bien, non. Bah, c'est pas grave. On va mettre le seau là. Voilà. Puis ça ira. Et là, la journée est déjà bien entamée. On va peut-être pas avoir le temps d'aller voir l'astrologue.
Ah, si je peux pas voir l'astrologue, là, je serais mécontente, là. En plus de ma frustration d'avoir perdu deux fois, dont une fois bêtement à Legend of Keepers, je l'ai encore en travers de la gorge, cette connerie. Comme quoi, quand on surveille pas ses affaires, eh ben, on perd tout. Et c'est le drame. L'astrologue, il est trop loin, il est au niveau du phare. Mais tant que la journée n'est pas terminée, la journée n'est pas terminée. C'est QFD. Les villageois peuvent dormir tranquilles. Avec l'inquisiteur... Mais pousse-toi. Avec l'inquisiteur qu'il y a, je ne suis pas sûr qu'ils peuvent réellement dormir sur leurs deux oreilles. Et je vois qu'il y a des carottes en bas. Donc je vais pouvoir piller les potagers de nuit. Ils n'en sauront jamais rien. Même les œufs. Je pourrais piquer les œufs. Par pitié, faites que l'astrologue soit encore là. Comme ça, je vais voir l'astrologue, j'essaye de voir ce qu'il veut, comment je peux lui parler. Zut! La map! Maison brûlée, oui, il faut que j'aille voir la maison brûlée. Mais il est où le phare? Ah merde, il est en dessous. Mercre. Oh! Est-ce que c'est vous? Non! Reviens! Et pourquoi il veut pas que je lui parle? Sans déconner. C'est relou! Oh, je peux prendre les pommes, là, en vrai, pour... Non, je peux pas. Parce que, du coup, j'aurais pu récolter des graines pour en planter à mon tour. Mais apparemment, ça a pas l'air d'être... d'être faisable. Toi, t'as quelque chose à me dire, au fait? Il ne me manque plus qu'une canne à pêche. Vous en auriez une à me donner? Oui, je sais, mon garçon. J'ai une vieille canne, mais je ne vous la donnerai pas comme ça. Je vous demanderai de me rapporter des mythes. Elles font d'excellents appâts, mais on ne peut les attraper que la nuit. Et je n'y vois quasiment plus dans le noir. Ah, ouais, mais tu les chopes où, ces mythes? Près des lampes, alors? Et ils vendent quoi, déjà? Ah oui, c'est... Ils se foutent de ma gueule. Soi-disant qu'ils donnaient pas les cannes comme ça. Bon, après, c'était certes pour m'éviter d'avoir à en acheter, mais quand même. Mais quand même. Donc. Ah, mais là, il y a même un vieux potager, là. On peut récupérer, là. J'ai pas... Oh, attendez. Là, on peut creuser. Bon, ça, c'est pour enlever les épines. Ça, ok. Du coup, est-ce que j'ai pas un truc à débloquer, là, dans la technologie pour la récolte? Non... Non, mais non, non, annulé. Pour l'agriculture, voilà. Non. Récolte. Ah là, je peux pas encore les récolter, les mythes. Faut que j'attende de prier demain matin pour pouvoir les attraper. Ok. Bon, là, au niveau de l'alchimie... Ah! Je m'improvise chirurgien. Et là, on pourra débloquer d'autres trucs pour l'église. Ok, ok, ok. Le business de la foi. Bon, remarque, c'est un peu... faut dire ce qu'on veut, mais... Bon, moi, je connais essentiellement... la religion catholique pour y avoir été pendant un temps. Ce qui n'est plus le cas depuis pas mal d'années maintenant. Je trouve quand même qu'il y a un sacré business au niveau de l'église. Après, le truc, c'est qu'il y a aussi les structures à rénover, à entretenir. C'est quand même de belles pièces d'architecture qu'il est dommage de perdre. Il y a aussi le secours, tout ce qui est secours catholique, le secours populaire, qui sont quand même relativement... Enfin, si on reste vraiment dans le cadre de l'Église, le secours catholique aide quand même bien. Et moi, je sais que comme toutes les associations, chaque année, j'essaye de leur donner quand même un tant soit peu. Mais en vrai, c'est vrai que l'église, quand on y regarde, c'est quand même plus un business qu'autre chose. Et moi, ce qui me fait mal, c'est qu'il y a des gens qui pensent qu'aller à l'église, ça va littéralement effacer toutes les conneries qu'ils font autrement. Alors que c'est pas comme ça que ça marche, quoi. Ça marche autrement. Parce que je voyais, j'ai eu une période gothique à mon adolescence. Et moi, ce qui me faisait mal à ce moment-là, c'était bah forcément, j'étais le diable incarné pour certains, même certains qui semblaient quand même relativement fanatiques.
Et ça sortait de je croisais des personnes sortant de l'église. Et à peine elles étaient sorties de l'église, elles me crachaient déjà dessus, quoi. Donc c'est... Moi, ça m'a... C'est pas tout le monde. Mais j'avoue qu'il y en a certains... pourquoi ils y vont ? Pourquoi ils y vont alors que... en fait, certains, c'est vraiment pour s'acheter une conscience, quoi. Du moins, ça, c'est mon propre avis. Après, il y en a, voilà, il y a différentes raisons de se tourner vers, vers la religion. Alors, est-ce que tu as quelque chose à me dire, beau gosse ? Ouais, qu'est-ce que je dois faire ? Étant donné que vous êtes désormais un clerc, je suis un clerc, vous devriez vous impliquer dans nos activités sacrées. La quoi ? C'est toi la clerc. Mais un clerc, pas un glaire ! Je faisais référence au donjon de Nalbuck. Oh là là. Donjon de Nalbuck, j'essaierai bien le jeu aussi, tiens. Améliorer votre image. Hein, ils ont moins faim, ils ont tendance à plus remarquer mon élégance. Je vais donc avoir besoin d'un grand nombre de bols bon marché. Il se trouve que vous disposez de veines d'argile juste... Ah, oui, d'accord. Fabriquez-moi des bols et je vous donnerai un guide du clerc débutant. Il vous fournira vos premiers points bleus pour vous aider à démarrer. Et je vous achèterai volontiers du pain pour la soupe populaire, à un prix spécial, bien sûr. Après tout, je suis le représentant de sa volonté. Pourquoi pas, ouais. Et donc, maintenant, je peux extraire tout ça. Et bah d'abord on va faire l'office, hein, soit dit en passant quand même pour que les fidèles puissent venir prier en notre sainte maison. Sélectionner un sermon. Prière courante. Fabriquer. Ah, il y a quand même des gens qui viennent. Je souhaiterais prononcer quelques mots. Notre église est merveilleuse. Sympa. À présent, prions cette bénédiction. Il faut que je travaille quand même un petit peu mon discours. Je fais des miracles! Et c'est comme ça qu'ils me filent leur bénédiction. Je leur fais un tour de magie avec le lapin dans le chapeau et ça marche. Ils me font des dons. Moi aussi, je sais faire un tour de magie. Et hop! Et il commite! Oh! Il donne pour la quête! C'est mon pognon! Tu peux éviter d'être moins... Tu peux éviter d'être moins beauf, s'il te plaît. J'essaye d'être sérieuse. C'est impossible. Oh. Ouais, c'est pour ça que... Vous comprenez, j'ai hâte d'avoir un 3 pièces. Parce qu'au moins, comme ça, j'aurai ma pièce dans laquelle personne d'autre n'aura le droit de rentrer que moi. Je te pourrirai sur une chaise. Voilà. Ah non, non, mais je fermerai la porte à clé. Tu pourras pourrir mon chat, je te bannirai. Ah, j'hésiterai pas. Je n'hésiterai pas. Et du coup, ils m'ont donné que des pièces en bronze. Mais moi, c'est de l'argent dont j'ai besoin. Ah oui, alors du coup... Ça, je peux le faire maintenant. D'accord. Mais alors, du coup... alors, je peux récolter le sable, je peux récolter l'argile. Et lui, il lui faut des bols. Mais comment... Où est-ce que je récolte le sable ? Est-ce qu'il y a des points spécifiques au bord de la rivière ? Pour l'instant, je vois rien. Bon, ça, c'est juste une souche, on va pouvoir l'enlever. Oh non, bon, j'aurais jamais dû faire ça. ah, là ! Voilà. Et là, on peut pêcher, là-bas. Ok, ah mince, j'ai... Comment ça, pas assez d'énergie ? D'accord. Et je pense que c'est également avec ce sable de rivière que je vais pouvoir faire du verre, également. Alors là, je suppose que les mythes... Non, ça, ce sont de simples lucioles. Et le pont, du coup, il a besoin de quoi comme matos pour être réparé ? D'accord, planche de bois. Une planche de bois, 4 d'os, 8 clous. Une planche de bois, 4 d'os, 8 clous. Bon, ça va, c'est pas compliqué à mémoriser. Petit chat est réveillé. Il fait sa toilette. D'un air nonchalant. La tête dans le brouillard. Bon, il mord encore un petit peu. Donc, il faut qu'on fasse attention. Non, c'est pas ça. Donc, il me faut
Donc j'ai 6 d'os, déjà. On va pouvoir mettre ça voilà, là-dedans. 8 clous. Donc il me faut 8 clous. Là, j'en ai 2, donc je vais pouvoir en refabriquer. Mais pour cela, il me faut du combustible. Voilà. Fabriquer. Bah non, non. Mince, les clous. Un burin. Mais à quoi ça me sert, les burins? Ah bah déjà, je peux faire mes planches de bois. Faisons d'abord les planches de bois. Voilà, donc dans l'inventaire, j'ai 5 d'os. Donc une planche de bois, 5 d'os. Une planche de bois, 5 d'os. Bah il faut que je coupe du bois, accessoirement. Ah bah voilà, c'est comme ça qu'on fabrique les d'os. Ça me revient, ça commence à me revenir, mais il faudrait que j'y joue un peu plus souvent. Sauf que comme je ne stream pas tous les jours, forcément, au bout d'un moment, bah voilà. Donc d'accord, c'est là qu'on fabrique le verre. Ah, c'est pas le moment! C'est pas le moment parce que fabriquer... Non, ça c'est la pierre tombale, ok. On a compris. Les clous, c'est sûrement là. Oui, c'est ça. Voilà. Donc on va enterrer le pauvre bougre qui du coup a dû arriver dans la fosse. On va essayer de lui faire une belle pierre tombale. Tu sembles t'en sortir plutôt bien. Oui, je viens d'ouvrir l'église. Donc tu possèdes tout par ici. Oui, je crois. Félicitations, tu as de la chance, tu as acquis tout ce capital. Tu travailles à ton compte. Tu es un vrai capitaliste désormais. Non, non, mais non. Enfin, bref. Mais il n'y a pas de récompense en ce monde pour un âne travailleur comme moi. Même toi, tu exploites mon travail à bon marché. J'ai bien peur de ne pouvoir t'appeler camarade. Mais je n'accepterai pas les choses sans broncher. Voici un petit cadeau rien que pour toi. Mais quel enfoiré! Et il m'a donné des graines de carottes. Pourquoi pas? Alors, il marche comment, en fait, ce truc? C'est... Non, il permet pas vraiment de re-rentrer dans le... Alors, maintenant, vous êtes clair. Il semblerait. Je me souviens de rien après ma mort. Peut-être qu'il n'y a rien là-bas. Peut-être ai-je tout oublié, l'amnésie peut être bien utile. Vous voyez ce que je veux dire, mon ami? Oui, plus ou moins. Alors. On va extraire la chair. On va pas avoir grand-chose à enterrer, mais bon. Mais à quoi ça me servirait, en fait, d'avoir tout ça, en vrai? Je vais d'abord faire la recherche. Je vais l'enterrer comme ça. J'ai pris sa viande. Mais avant d'aller plus loin, on va dire, dans les constructions et autres. Lieu de sépulture, on va le mettre là. Voilà. F... Alors même là, je suis bête, pourquoi j'ai pas remis les contours en bois aux autres tombes? Même si c'est pas super joli, ça améliore toujours un petit peu la qualité de l'endroit, quoi. Donc on va aller rechercher ça. Après, je m'occuperai de mon potager. Donc on va prendre ça. Ah! Zut! Ah mais oui, parce que j'étais partie pour le pont, je suis bête. Suis-je bête? Mais du coup, je pourrais peut-être manger 2-3 trucs, là. Voilà. Je mange quelques baies, histoire de me ressourcer un tant soit peu. Le rendu a pas l'air mal, j'ai pas pensé à regarder ça tout à l'heure. Mais bon. On aura passé la nuit là-dessus. Mais au moins ça avance. Voilà. Peut-être pas avoir assez d'énergie pour finir le pont. Ah! Il manque rien! Et j'ai rien encore à manger? Ouais, je vais pas manger de la viande crue. En plus, vu que ça vient d'un cadavre, je risque de tomber encore plus malade.
Donc bah là, pour le coup, on va avoir un tout petit peu plus de place pour les contours de tombe et améliorer ainsi la sépulture. Pour que les gens puissent avoir une tombe digne de ce nom. Hop. Tac, tac, tac. Voilà. Il faut que je dorme. Je vais dormir toute la journée. Cocorico! Ah bah du coup c'est un son. Je vais noter, tiens. Faut que je mette en son à ajouter trompette du désespoir pour les fails. Trompette du désespoir. Cocorico. Cocorico est le nom de Mario. Ça pourrait être cool à avoir ça aussi. Kevin le fait très bien, le nom de Mario. Du coup, ouais, j'ai tous les contours de tombe. On va pouvoir faire ça après avoir amélioré le pont. Mis les contours de tombe aux sépultures. Après, du coup, il faut juste qu'on aille planter nos choux et nos carottes. Yes, construction de pont. Explorons. Y a rien. C'est un peu vide. Mais on a un poste de pêche. Un magnifique poste de pêche. Ce site aquatique de pêche, comme vous pouvez en trouver d'autres dans le village, le long de la rivière, dans les marais, dans la mer. Commencez à pêcher. Maintenir E pour préparer le lancer. Ah, ça fonctionne comme Stardew Valley ? Aucun appât. Bah non, j'ai pas d'appât en même temps. Est-ce que ça fonctionne comme Stardew Valley? Est-ce qu'il faut attendre que la ligne se casse? Je ne sais pas. Je pense que le mieux, c'est avant tout de trouver... de trouver un appât. Mais comment je peux avoir mes points spirituels, nom d'un chien? Arg! C'est quoi ça? C'est des gisements de fer. Mais il me faut du charbon. Ah mais... Mais non mais je suis loin là les mecs. Je suis un peu loin là. Le corps il a tout le temps de pourrir. Je vois une bestiole là en bas, je voudrais que j'aille voir ça après. Ouais, mais mon curseur il est visible sur ce jeu. C'est mon curseur d'ordinateur que vous ne voyez pas. 1, 2, 3, 4. L'âne a décidé de se battre, il mérite plus de carottes. Mais TG ? Attends que j'en plante ? Qu'est-ce qui se passe ? Je suis en grève. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'en ai marre d'être opprimé. Je ne t'apporterai plus de corps. En tout cas, plus gratuitement. J'ai une liste d'exigences. Tout d'abord, j'exige de meilleures conditions de travail. Huile un peu les roues. J'en ai marre de les entendre grincer. Ensuite, j'exige un jour de repos. Donc plus de corps à trimballer le... D'accord, ok. Enfin, j'exige d'être mieux payé. Par toi. Ces corps ne t'appartiennent pas, il s'agit d'une ressource naturelle, je veux ma part du gâteau. Chaque nouveau corps te coûtera 5 carottes payables d'avance. Tu peux les placer dans cette caisse, je viendrai y récupérer mes carottes. Si tu n'acceptes pas, tu pourras aller te trouver un autre âne. Oh, il n'y a pas d'autre âne. Mais... fichtre. Pendant ce temps-là, le corps il pourrit, t'en as conscience de ça? Et les familles qui te confient les corps alors? Surtout que moi, j'ai rien décidé de ça. Place mes carottes dans la caisse. Mais j'en ai pas de tes carottes de merde. Oh.
Bon, je vais aller chercher des carottes dans le potager, c'était pas prévu, tu me retardes dans mon taf en plus. As-tu seulement idée de tes conséquences, enfin de, des conséquences de tes actes? Même si j'admets que ta condition n'est pas... Voilà, t'avais pas à me demander une rançon. Tu pouvais me le demander gentiment. Tu demandes du pognon, salope! C'est un peu ce qu'il m'a dit, en vrai. Qu'est-ce qu'il y a? Miaou! Le chat est à l'agonie, miaou! Qu'est-ce qu'il a? Il veut des câlins. Alors j'ai récupéré des choux et du déchet agricole. Ah bah du coup ça va m'aider pour le compost ça. Est-ce qu'il y a des carottes ici? Il y a des betteraves. Donc non, les carottes ça va être plus loin. En espérant y trouver des betteraves également. Ah voilà, les carottes il y en a là. Elles sont pas mûres. Ah, ça c'est que des choux. Mince. Oh, qu'est-ce qu'il y a là? J'ai vu quelque chose. J'ai vu une taupe. J'ai vu une taupe, mais je ne sais pas si c'est important. Et est-ce que le forgeron, par le plus grand des hasards, vend-il du charbon? Oui. Mais comment ça? Ah, c'est que j'ai pas encore ce qu'il faut pour l'utiliser. C'est ça? Forgeage. Eh bien non, apparemment... Bah si! Bah si, pourtant j'ai appris tout ce qu'il fallait. Ah ça, il faut que je l'apprenne aussi. Si je veux fabriquer des pots et machin, truc mûche à l'évêque, il faut que je puisse faire tout ça. Mais comment ça se fait? Pourquoi? Mais non, mais... Bon, et si je retournais dans l'endroit où j'avais vu des carottes? Je peux pas lui enfiler des carottes! Qu'est-ce qui me casse les noix? Je ne peux rien faire! Je les ai pas, tes putains de carottes! À moins que j'en trouve dans un potager, quelque part. Et encore, il n'y a pas beaucoup de potagers dans le coin. Bon, pourquoi je peux pas aller là? Il faut un passe de la ville. Ah mais je l'avais le passe de la ville en vrai. Pardon? Bah les graines, oui, mais je pense qu'il faut le temps du coup de les faire pousser. Mais pourquoi je suis mort pour... Je suis morte. Vu les circonstances, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne nouvelle. Sarde de Sarde, qu'est-ce que ça pouvait bien être? Je crois que j'ai été frappée par la foudre en chemin pour la ville. Je l'ai senti, une rage ancienne et puissante sautiller jusqu'ici immédiatement. Il semblerait que quelqu'un ou quelque chose et qu'un grand pouvoir ne veut pas de vous dans la ville. Je ne sais pas trop. En fait, je suis à peu près sûre que si vous continuez à essayer, les choses vont mal se terminer pour vous. Du genre, je suis un crâne, parlons-moi aussi maintenant. Mais je dois aller là-bas, je dois retrouver des objets magiques, je dois rentrer à la maison. Je suis un peu blessée que vous n'aspiriez qu'à me quitter. Mais en tant qu'ami, je vous suggère de parler avec Serpent dans la crypte de l'église. Oui, mais il est bloqué, Serpent. Je pense qu'il pourra trouver ces objets pour vous. C'est une fripouille très habile. Vous connaissez Serpent? Je parle avec lui tout le temps, je me cache dans une pile de crâne, et on papote. Il me prend pour sa voix intérieure. Il est très ouvert avec moi. Il vous a dit des choses intéressantes? En tant que sa voix intérieure, je trouve cette question contraire à l'éthique. Ok, j'irai parler à Serpent. Peut-être pourra-t-il nous aider. D'accord, donc c'était scripté. Mais ça fait peur. Donc allons planter des choses et des carottes. Je crois d'ailleurs qu'il faut peut-être que... Alors, graines à planter, on va planter les carottes. Ok. Oh, c'est pas bien compliqué. Ah oui, c'est 4 par 4 par contre. Mais je... Après, je pense que quand on en plante, il doit en ressortir plus que ça. On va également creuser ici pour les choux. Mais je pensais pas du coup avoir à
pelle rouillée a cassé. Merde. Il faut aiguiser la pelle. yes. Aiguiser une pelle. Bon, remarque, ça permet, voilà, de lui redonner un petit coup de jeûne, quand même. Ravioli, je sais que tu es sous mon PC. Veux-tu sortir de là, petite fripouille et canaille que tu es? Ok, d'accord. Bah, je pouvais planter qu'un seul truc de chou. Fabriquer, du coup, voilà, le déchet agri... Ah! Merde! Attendez. Qu'est-ce que tu fabriques avec mes fils? Allez, sors de là! Ah! Il faisait pas ça avant. Et là, depuis quelque temps, il commence à toucher au fil. Bon, on a des baies. Mais ça ne suffit pas. Donc. Aujourd'hui, je crois qu'il se passe rien de spécial pour nous. Par rapport au calendrier. Bah, on... Je vois pas d'autre choix que d'aller piller, en fait, les autres potagers. Enfin, le potager des autres, au choix, comme vous voulez, sur l'expression, on s'en fout. Au moins pour avoir du déchet agricole à mettre. Ouais, j'aurais pu replanter, mais bon. Osef. Moi, tout ce que je veux. Il y a même des oignons. Ouais. Il y a des abeilles, là, pour récolter. C'est l'apiculteur, lui, peut-être. Oh, parler. Commercer. Ah, d'accord. Donc, on peut lui acheter. D'accord. Ok, ça marche. Intéressant, intéressant. Je peux récolter les citrouilles, là? Bon. Est-ce qu'au moins, j'ai ce qu'il faut pour pouvoir récolter ce que je veux? Visiblement, non. Oh, je pourrais fabriquer de la bière, après. La bonne bière de chez nous. Où est-ce que je pourrais trouver d'autres déchets agricoles? À part dans les champs. Et je crois pas que ce soit un truc qui se vende. Il m'emmerde, cette âne. Il m'emmerde parce que bah, les carottes, ça va pas pousser comme ça, quoi. Là, on peut rien récolter. Là non plus. Là, il y a quelque chose... C'est une taupe! Une gentille petite taupe! Bon, qui vous dévaste tout, bien sûr, mais... Une gentille petite taupe. Bon, est-ce que toi, je peux regarder ce que tu as à vendre avant que tu ne te barres pour aller prendre ton café? Ah! Hache rouillée. Mais tout est rouillé, en vrai. Ça m'étonne quand même que je ne puisse pas lui acheter du charbon. Franchement, ça me paraît étrange. Bon, et ben je vais aller voir le potager qui a tout au bout. Il y a un crapaud. Mais si ça se trouve, ça ce sont des trucs, enfin des les crapauds. Je suis pas sûr que ce soit des créatures qu'on puisse capturer. Du coup, maintenant qu'on est sorti de la ville, est-ce que le jeu veut bien être sympa avec moi et me guider vers la lumière? Alors le pont là, non, on n'est pas en mesure de le réparer au même titre que l'autre. Il faut qu'on le contourne. Peut-être qu'on prenne un bateau, accessoirement. Donc là, il y a le verger. Et normalement en bas, si je ne m'abuse, voilà, il y a un autre potager. Mais qui est en piteux état. On va essayer de déblayer un petit peu pour voir si ça a un quelconque effet sur la croissance des différentes plantes. D'accord, donc je récolte une fleur jaune, mais en quoi ça peut réellement m'aider?
Ouais, c'est délabré à souhait là-dedans. Ah non, mais non, c'est pas ce que je veux faire. D'accord. Ah oui, en fait, on peut enlever les mauvaises herbes. Mais mon inventaire est plein, bien sûr. Bon. Eh ben, on va voir ce que déjà la première plantation a pu donner. Mais je pense pas que le jeu soit simple comme ça, au point de faire pousser des carottes en une journée. Ça me paraît un peu... Ça me paraîtrait un peu étonnant. C'est quoi, ça? C'est une presse, ça? Attends, c'est qui cultive de la bière? C'est quoi déjà la quête que j'ai avec toi? 5 pots de miel! Voilà, c'est ça. Mais je crois que j'ai pas assez de pots de miel. Je ne crois pas. Mais après, je suis con, l'apiculteur, il en a. Je crois qu'il en avait, l'apiculteur. Mais là, vu qu'il fait nuit, il est peut-être rentré. Non, il est là. Il est là. Ouh. Mais non, je m'en fous de ça. Je veux parler à l'apiculteur, moi. Oui. Donne-moi 5. Quoi? Il peut m'en vendre... Mais qu'est-ce que tu fais là? T'as pas le droit d'être ici, tu le sais très bien. Bouh. Je peux en acheter que 4? Ah mais oui, bah non, je peux pas en acheter du tout. Oui, on annule tout. C'est pas grave. C'est comme ce qui s'est passé au début, ni vu ni connu, on n'en parle pas. Il ne s'est rien passé. Bon, bah non. On ne peut rien récolter pour l'instant. Cette journée n'est pas terrible pour notre fossoyeur. Franchement, là... c'est quoi, ça? Ah, mais je suis pas allée! J'ai pas été voir la mère grand, là. En sachant qu'elle est dans une forêt impénétrable. Mais comment on y va, chez elle? Faut faire tout le tour? Ok, donc là... Ah, entrée. Quoi, entrée? Pourquoi entrée? Fermée de l'autre côté. D'accord, ok. Et il y avait une petite maison avec une gentille grand-mère. Qui a également un potager. Mais elle, elle fait quoi? Elle est rentrée. Forcément. Et elle, elle a de l'argile. Mais si ça se trouve, c'est elle qui va pouvoir m'apprendre à faire les bols. Hey! On va aller, on va lui déblayer un petit peu son jardin. On va lui cueillir ses framboises. Hein. Voilà. Il n'y a rien à récolter. Et il y a un autre jardin en bas. Oh là là. Oh mais c'est là que je vais peut-être pouvoir avoir les carottes tout de suite. Et là, je le vois grand comme une maison. Le temps que je cherche toutes les carottes possibles et imaginables pour l'âne, mes carottes vont avoir le temps de pousser. Je le vois gros comme une maison. Alors, si je dévie de ma trajectoire et que je vais actuellement vers le sud. Et j'avais pas été encore voir. Ah si, non, mais c'est juste un marchand, rien de plus. Ah, il y a des vergers partout. Mais peut-être que c'est la personne qui du coup peut me vendre des graines. Parce que là apparemment, ouais non, je peux rien récolter. Et bah tant pis. Et là, il n'y a rien à voir, il n'y a pas de secret divulgué. Là, il y a juste une ruche. Et on est encore le petit matin. Pendant ce temps-là, le corps est en train de pourrir. Et l'âne ne veut pas me donner le corps. Il est chiant. Je comprends sa situation, mais là, il fait chier. Parce que j'y suis pour rien, moi, de ses conditions de travail. Et de base, je ne suis même pas son patron. Bon, ça pousse. Mais on n'y est pas encore. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dormir un petit peu.
voilà, tranquillement. On va aller voir la grand-mère pour voir ce qu'elle a à nous dire. Ok. La viande, je peux peut-être la cuire en vrai. Ah oui, non, d'accord. Faut d'abord que je la coupe. Oh là là, qu'est-ce que tu es en train de faire, le chat? Je t'entends. Voilà, donc on va déjà se faire un petit frushi, voilà, tranquille. Ok. On peut faire plein de trucs en vrai. Allez, un petit peu de combustible. Et on se fait griller notre viande. Pendant ce temps-là... Bon, notre petit potager, là, ça pousse tranquillement. Là, bon, on peut rien améliorer pour le moment. Même si je voudrais bien faire un beau verger digne de ce nom. Du coup, j'ai été... Eh ben non, j'ai pas été mettre les contours de tonde. Cet âne m'a tourné la tête. Je vais te les fournir, tes carottes, hein. Et tu pouvais me les demander autrement. Non pas en te mettant en grève de manière agressive. Tombe. Clôture. Hop. Ouais, bon, ça change strictement rien, mais bon, au moins, c'est déjà un peu plus joli. Comment ça, moins 3? Mais je lui ai même pas mis de pierre tombale. Oh là 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 là. Je faillis à mon devoir. Cette pauvre personne n'a pas de pierre tombale. Alors par contre, comment je peux améliorer l'intérieur de cette église? Qu'est-ce que je peux faire? Eh bah ok, pour l'instant, on n'a pas de quoi améliorer l'accueil de nos fidèles. Ah oui, c'est vrai. On peut faire table d'alchimie et compagnie. Et là, pour déblayer... Oh là là. Je verrai ça après. Ah bah la journée est presque finie. De toute façon, mère grand, elle sera plus là. Donc, qu'est-ce qu'il faut? 10 piquets de bois. Une poutre. Et 4 pièces de fer simple. Ok, donc une poutre. 4 pièces de fer simple. Et 10 piquets. Je crois que je sais fabriquer l'équipé. Les piquets. L'équipé. Je parle en verlan maintenant. Non mais j'ai dit les... Ah ouais, putain, piqué en verlan, ça peut faire les képis. Non, ça va pas être là. Alors. Est-ce que c'est ici? Pâte à polir. Oh, c'est pour nettoyer ça. Non, ça a pas l'air d'être là. Ah, mais c'est vrai que je pourrais me fabriquer des trucs un peu plus... Mais t'as fini, aïe! Vilain chat! Oh, voilà qui m'attaque les pieds maintenant, il s'est mis à me mordre. La hache ou la pelle? La hache ou la pelle? Déjà, on va se fabriquer encore des pièces simples puisqu'on va en avoir besoin. Voilà. Par la suite. Comment? Ah oui, donc je peux déjà au moins lui fabriquer une pierre tombale à cette brave personne quand même. Allons, allons. Mais il ne manquerait pas un outil pour fabriquer... Les poutres? Parce que là, je sais fabriquer les planches, ça y a pas de problème. Mais en vrai, je crois que je sais pas fabriquer les poutres. Enfin, les poutres, non, je crois pas. Les piquets, ouais. Sur le bio. Et j'ai pas de bio. Ah bah non! Je peux pas le faire maintenant, je sais pas fabriquer ça. Bon... Eh ben, on va arranger ça tranquillement.
Ouais, eh bah tant pis. Ce sera pour la prochaine fois. Pour le jardin, est-ce que j'ai fait une malle pour ranger le jardin? Je crois pas. Non, ça c'est juste le verger. Oh, ça y est, mes carottes! Mais c'est pas encore... Il va falloir attendre plusieurs jours, là. Qu'est-ce qui se passe? Oh la vache, quoi. Crétin de chat. Oh, il râle en plus. C'est un râleur. C'est un chat breton. Bon, le jour va se lever, il va être temps d'aller voir Mémé. Ou peut-être la gentille personne qui est en bas, là. Je ne sais pas si... elle va ouvrir ses portes. Quelque chose à faire, non? Mais il n'y a rien à faire, en vrai. Je suis un peu bloquée. On dirait que les légumes, ils poussent pas à la même vitesse que les miens. Bonjour, mon brave monsieur. D'accord. Qu'est-ce que tu fais? Je dois terminer mes corvées, sinon mon père entrera dans une colère noire. D'accord. Bon. Alors, c'est le fils du fermier qui est au nord? Il a sa ferme au sud, du coup? C'est quoi ça? Tombe. Ah, il y a un mort ici. Ça me fatigue de rien avoir à faire. D'accord. Donc lui, non, c'est le simple meunier. Enfin, simple. C'est pas forcément très simple d'être meunier. Mais j'aimerais bien pouvoir récolter ces foutues carottes. Ou betteraves aussi, accessoirement. Mais j'ai l'impression que là... c'est un peu mort. Donc on va aller voir Mémé. Cette brave Mémé. Peut-être qu'elle a quelque chose à nous apprendre. Ah non, c'est Adam, j'ai cru que c'était une grand-mère. Fichtre. Tour de potier. Ouais, mais je peux pas tout simplement les apprendre. Je sais plus combien il en faut. Ah mais non. Je vais avoir une dette. Donc non, c'est mort, je peux pas. Qu'est-ce que je peux faire? Réfléchissons. Parce que la canne à pêche, il me fout un appât. Ah oui, il faudrait peut-être que je me fabrique mon bureau pour pouvoir améliorer mes prières. Et faire en sorte d'avoir un peu plus de points spirituels. Pourquoi ici ça ne veut pas? Fermer de l'autre côté. Ouais mais c'est embourbé dans des arbres. Forcément que je peux pas y entrer. Bon, et ben l'âne il attendra. L'âne il attendra, mais bon, en attendant le corps il est en train de pourrir. Bon, si on trouve un moyen d'aller en bas. Ravioli, je t'entends. T'es encore en train de jouer avec mes fils. Il sait qu'il a pas le droit. Il tente quand même, hein, mais bon. Du coup, ça donne quoi, là, mon potager? Je doute fort que... Ouais, non, non, ils sont pas... Elles sont pas mûres. Même les choux. Non.
T'arrêtes tes bêtises. Est-ce qu'il y a des mythes dans le coin? T'arrêtes tes bêtises. Alors, pour le bureau, en toute logique, qu'est-ce qu'il faudrait? Du bois, pour commencer. Surtout, moi, je voudrais voir où se trouve ce fameux bureau. Non, là, c'est vrai, y a rien. Établi d'église, hein, donc il me faut... Donc il me faut... 9 d'os, 10 clous. Et des pièces en fer complexe. Mais je suis pas sûre que je sache les faire. Les pièces en fer complexe. Les pièces en fer complexe. C'est au forgeage ça. Si, ouais. L'enclume. Ok, ça se fait sur l'enclume. Possiblement, si j'ai bien lu. Enclume, enclume complexe et coupe-pierre. Non, mais il y a des logiques des fois dans ce jeu, faut pas chercher très loin. Hein, c'est... Oh, mais... Deux secondes, j'ai trop de jeux en ce moment, là. Coupe-pierre... Ah, mais ouais, je pouvais fabriquer ça aussi. Kit de réparation en pierre, minerai de fer. J'aurais dû faire ça. Non, ça c'est l'établi à bois. L'enclume à bois. Mais comment je la fabrique cette enclume? L'enclume, il me faut du fer. CQFD. Par contre, du fer, je crois que j'en ai plus beaucoup. Et j'ai que deux pièces en fer complexe. Donc ça, je vais le mettre là. Ça, je vais le mettre là. Ça aussi. Du fer, bah faut que j'aille miner du fer. Et vu le temps qu'il fait, je vais plutôt dormir. Et y aller au petit matin. Ah oui. Ah oui, tu te mets sur le dos. Hein. Ah oui. Ah oui. C'est chez ça. C'est chez ça. C'est chez ça. Ah oui.